Bonjour à tous et bienvenue. Donc aujourd'hui on sera sur le serveur de Monsieur Rat Super, Armor for Life. On sera en police et donc le type de la patrouille, ça sera une patrouille raid. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne Twitch, qui est bien sûr dans la description, hein, le lien. Je vous souhaite donc à tous une bonne vidéo et une bonne journée. Laisse-moi recommencer ça. Faut que je passe vite fait à l'hôpital. Je remontais, je redescendais, boum. C'était impossible. À un moment donné, j'ai dit bon, mais tant pis. C'est calme ou c'est mouvementé? C'est mouvementé. Ouais. Ah. Remise en service de la patrouille Oscar, 3 effectifs à bord d'un Suburban. C'est bon? Bon pour moi. Pas besoin de vous soigner, lieutenant? Et le tuf, non, les GTS. Parce qu'habituellement, à chaque fois que vous descendez du véhicule, vous vous blessez. Pas cette fois-ci, c'est bon. Maintenant, il faut penser à la gonzesse dans Red Dingue. Ah, c'est ou alors le gars, parce que le gars il est poisseux. Ah bah plus le gars alors. Il y a une coule qui arrive, mais c'est pour lui. Ça. Qu'est-ce que ça fait là-bas? Ça fait pique-nique. Attendez qu'ils soient arrêtés avant de dire. Ils commencent pas à nous la faire comme à la fondue là. Ouais mais bon, ça part en fuite. Attends, c'est bon, ils s'arrêtent. Sire de l'Alpha. Avancez. Voici dehors une patrouille du quasi-mix en position, s'il vous plaît. Une position. Entre QG dépanneur et commissaire britannien. Très bien, on a. Oscar de là. Reçu, transmet. Le véhicule, vous voyez, c'était une GT, AMG GT 63 noir, le nouveau modèle. La seconde véhicule a déjà été revendu, donc tu ne pourras rien faire avant l'intervention de nouveau disponible. C'est reçu pour service gris. Ce serait con qu'il nous fasse une syncope là. Un malaise à la radio, oui. Ah oui, c'est vrai qu'ils vont se revirer. On va voir si l'autre idiot à l'aéroport. Ah oui, le noir, ouais. Il n'a pas mis de message sur le site du gouvernement, donc c'est qu'il a dû comprendre. Ouais. Mais quand il est sorti du commissariat, il était à deux doigts de se prendre son billet d'avion. Ouais. Ah bah oui, il fait, je sais plus, j'étais qui de la marre, il fait ah, vous êtes gentil. Par contre, votre collègue, il est méchant, hein, il est comme un chien. Et en sortant du commissariat, derrière, il fait wouf, 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 wouf. Les agents de sécurité en. Ah non, elle est cramée la voiture. Ah oui. Oui, ça va sûrement être encore un exploit dans un trajet de Brix.
venait de m'arrêter, il me disait, vous faites n'importe quoi sur l'aéroport. Je dis, j'ai roulé normalement, assez éloigné des pistes, j'ai traversé une fois la piste, mais j'aurais la droite et à gauche, il n'y avait pas un avion qui arrivait. Et il s'amusait à nous bloquer sur l'aéroport. Ouh, j'ai dit, toi, tu vas pas m'énerver longtemps. Ouais, bon, il fait ça, mais je dois rentrer pour me sortir. Oui, mais j'avais pas un véhicule raide, donc... Doucement quand même, là, c'est au coup. Mais c'est arrivé, direct après. Et il a vu le gyrophare bleu. Ouais. Braquage ou il y en a qu'un seul? Avec un seul. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On a tenté de faire un convoi d'armement. Tourne mal. Attends. On n'a rien vu, monsieur. Non, mais de toute façon, elle est légale. Bonjour, je peux savoir ce qui s'est passé? En fait, mon collègue, il avait un pigeon et. Exactement. Un pigeon, ouais. Il a pas plutôt vu le poteau traversé? Ouais, ouais. Je sais pas si c'était un pigeon. Je sais pas si c'était une personne ou... Hein? Une personne. Mais... Ouais, et vos gilets jaunes sont où, messieurs? Et le triangle de signalisation? Attendez. Jean, c'est chez le l'a pris. Ah non, ça c'est ma casquette. Merde, ça c'est mon casque. Mec, il y en a un triangle ou pas? Voilà, monsieur. J'ai mis le triangle. C'est à 30 mètres avant, réfléchissez, c'est pas par là sans la circulation. Bah, il est haut, il est long de 30 mètres. Hein. Vous voyez pas combien grand chose. Hein. Quoi? Et puis les gens ils roulent à droite. Hein. Donc, ouais, les gens ils viennent de là-bas. Enfin, il y en a un qui a un cerveau. Tu Allez. Allez, regardez voir votre poteau qui traverse ailleurs. Il y a un pigeon, bien sûr. C'est toi le pigeon? Ben non, il nous prend pour un pigeon, oui. Quoi, oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais. Ah ben bah, là il a bloqué, tu es bloqué. Ah bonjour. Que se passe-t-il là? Fais-tu manifester? Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, Oscar. Si pour vous tenir au courant, il y a des véhicules pour faire de passer genre à 200 km. Il y a moyen d'aller au niveau du stand de tir, s'il vous plaît, il n'y aurait rien qui serait bloqué dans un véhicule de la Brinks. Si vous voulez, j'ai la plaque. Ok, suivez. Donnez-la toujours. Comment? Donnez toujours votre plaque si vous l'avez. Apparemment, faut complémentaire, les douaneurs sont sur place et n'arrivent pas à le faire sortir du véhicule. Il y en a qui l'a arrêté? Et c'était une Mitsubishi noire avec un aileron à l'arrière. D'accord. C'était mon véhicule. C'est une révolution. Bonjour. Bonjour. Ne donne pas la personne, elle est au Shelby. Vous signalez Oscar? Ouais. Vous le signalez Oscar comme quoi les agents de l'aéroportuaire l'auraient vu lourdement armé. Lourdement armé en plus. Ben c'est ce qu'il a dit. Okay. Moi je fais répéter ce que dit les agents de l'aéroportuaire. Recherche d'un véhicule type Mitsubishi
garde sur évolution noire, des personnes lourdement armées à l'intérieur, plaque d'immatriculation, Juliette, Golf, 3, unité, 9, Whisky, Charlie, au nom de Enzo Shelby. Oscar de Herry. En voulant prendre sur le stand de tir, je me suis fait tirer dessus, je dois battre deux personnes. Ah, oh, sur un Oscar. Allez, transmettez. C'est 10 fois. Ah, affirmatif en tirant. Ah, je vous remercie. Une balle d'Oscar. Bien, c'est sûr. Je vais vous remercier. Ah oui, super. Ça tire. Ouais. Harry Drain. Transmet. C'est pas des tirs, c'est un braquage de grenouille celui actuellement là. Affirmatif. Ah oui, mais pas le dire. Préciser. Je vous ai mis un point, une golf blanche qui est là-bas. À la prochaine. Putain, mais l'autre, c'est l'autre. Alta Scar. Transmettez. Alors, pour information, nous vous la voyez ou pas? Information là-haut, c'était qu'un gars était bloqué dedans. Dans la Golf ? Non, qui était bloqué dans le véhicule de la Brinks. Alors, ça marche. Scar de Alpha. C'est vrai ? Voilà, par information, j'approuve tous les véhicules de la Brinks, la personne qui est bloquée dedans. Ah, c'est fantastique. Ouais, ça il le dit pas lui. Attends, c'est depuis quand ça? Quoi, l'avion? Non, la drone de descente comme ça là. Ah, je sais pas, je pense pas, attention. Mais si, si, elle était déjà celle-ci. Ça me paraît raide. Oui, et toi, tout début, c'est David. Ça va, transmet. Je suis intervenu au niveau du port pour le Mercedes Sprinter rouge volé. Il a déjà été revendu à peine que je suis arrivé. Je vais prendre votre normal, s'il vous plaît. Mais mec, ils font les sommets, ils se cassent. Arrête de ce cas. Transmetteur. C'est très bien, s'il vous plaît. On a actuellement la recharge de la Golf. Si. Là. Ah, il est là. C'est l'heure de rien. On a retrouvé la Golf sur notre pause. Elle est actuellement au niveau des pitonfiles de vol charge ou pas sympa. Suivez des individus avec. Négatif, je le fais vite, ils doivent sûrement se cacher dans les bâtiments de construction. Si. Information Oscar, on va se diriger donc vers la zone de raid. Raid. T'as reçu. Ils ont pu partir à pied loin aussi. La droite, tu l'as abandonné de son véhicule, ça me paraît débile quand même, non? À moins qu'il ait volé à la base. Allez, je vais voler.
pas de soucis. Quand il est normal, il serait dans ce bâtiment là. D'où en haut dans les autres derrière nous. Hein. Ouais. Faudrait plutôt qu'on check d'abord les bâtiments à droite là. Tu veux ou pas? Bah si tu veux. Il faut le faire à un moment donné ou pas? Ah bah go. On va commencer par étage. Ouais. Par contre ADS, vous faites notre bac s'il vous plaît. Oui. Arrête de scan. C'est moi. Vous avez contrôlé la Nsiroko noir? Du tout, on est en train de checker les bâtiments de construction non. Peut-être dépassé. On sait pas ceux qui sont encore dans les bâtiments parce que sinon ils les auraient déjà ce matin. Je pense, ouais. On a disparu le type. Ah. Oh. Coup de feu. Bonne Tascar. Transmet. Donc étiré. Ah, négatif, non. C'est attiré vers les bidonvilles normalement. C'est de descendre. On va y aller, ouais. C'est beau, vite, là. Les deux étages supérieurs tous les bâtiments lui. On a rien. On avait checké du global depuis le premier bâtiment, on n'a pas vu de mouvement rien. Bon, quand on s'est attiré vers le bidonville, on a préféré décrocher et aller sur le bidonville. Transmettez. Bon, vous y check le phare.
Mais là, c'est juste non. En cas, je m'en occupe. Je vais vous mettre sur le bas-côté s'il vous plaît, vous allez voir mon collègue, vous laissez le véhicule ouvert. Vous avez une pièce d'identité, permis de conduire s'il vous plaît. Il reste dans le véhicule. Oscar de Red. Transmettez. J'ai un véhicule de la Brinks abandonné au niveau de l'entrée de... Sunnyton, non, de Fulchurch, direction Sunnyton. Curieux, est-ce qu'il y a une patrouille qui avait la fréquence de la Brinks? Négatif de verrie. C'est avec Oscar. Vous avez la fréquence de la Brinks? Négatif, il me semble que c'est un véhicule qui a été abandonné parce qu'il est explosé ou ils peuvent plus rien faire avec. Elle est bleue. Ouais. Fermé, Red. Ah, il est explosé ou pas le véhicule là-bas? Bah, pour info, il est pas explosé lui, tu le convois, non? Il est reçu. Cigare de Golf 1. Transmet. Donc, pour information, le phare est clair. Suivi pour info pour Oscar, on est en train de check bâtiment en construction. Côté Golf. Vous coupez le moteur, vous descendez du véhicule, vous laissez votre véhicule ouvert, vous allez voir mon collègue. Info. En face, en face. Putain, on y va. Vite. Ok, les autres. J'en étais sûr, bâtiment là. Pas de Oscar. Bon, dans un mouvement de panique, là, le monsieur a eu un petit souci cerveau, il a passé les étages, abattu, mais notre collègue aussi. Lequel? Je suis devant moi. Ici, c'est pour Red. Ouais, vous êtes bien dans le bâtiment juste à côté de la Golf, hein. On est sur celui de gauche. Ah, mais il y en a plusieurs à gauche. Ça fait. Mettez un point sur le bâtiment, s'il vous plaît. Oui. Ah ouais, celui-là. C'est l'autre. Premier à louche. On se l'endorine. Vous avez checké celui juste à côté de la Golf? Négatif, on a commencé par celui-ci. On va checker celui-là, du coup. Red de Scar. On est sur le toit du second bâtiment, vous pouvez progresser, on est où on voit pour le moment. Et on envoie une autre bac à DS, carrément.
Oscar de Cody. L'agent de police. Je encore le rectifier. Bien, agent de police. Je confirme. Ouais, on vient de recevoir une balise à son nom. Une autorisation. Et du coup, bah, on se rend sur les lieux dès qu'on peut. Vous pensez dans combien de temps? 5 minutes. Checker avec Oscar, donc le nom c'est la plaque le Crec et personne n'a battu le Crec. Donc ça correspond. Normalement ça se fait. Ouais. Check les deux autres là en même temps, on va tous les faire comme ça on est sûr. Ah celui-là on l'a déjà fait, moi, celui-là. Ouais. Ok, ça marche. Mais le véhicule. Un, deux, trois. Il n'y en avait pas trois? Bizarre, t'es bon. J'ai un véhicule, je savais pas qu'il y avait un autre escalier. Ah, mais tu es. Par contre, Oscar, avant d'envoyer le colis, il y a au moins une autre autorisation. Le repos. Avant d'envoyer le colis, attendez que vous ayez au moins une autre autorisation. Et pour moi, vous avez check les deux bâtiments derrière nous, c'est pour ça. Non, on n'avait pas check encore les deux qui étaient en face. Là. D'accord. Quand on a entendu les tirs, on est allé direct vers les tirs là-bas. En tout cas, ça n'avait pas tiré d'ici, ça c'est sûr et certain. Ça avait tiré plus vers là-bas. Mais non, mais avant que ça tire, il y a d'autres personnes qui ont tiré.
Donc j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Hein, si elle vous a plu, vous pouvez lâcher un petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Hein. Vous pouvez aussi aller sur ma chaîne Twitch. Le lien figure donc dans la description. Au-dessus, il y a quelques vidéos. Et bien sûr, de temps en temps, je suis en live dessus aussi. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand vous avez regardé cette vidéo.